Merci. Et une nouvelle fois, vous allez être obligés d'écouter mon français, mais heureusement, nous savons maintenant que la traduction est parfaite. Di nuovo dovete ascoltare prima il francese e poi la traduzione, e gentilmente dice che è perfetta, ma insomma vedremo. Se non sfugge qualcosa, speriamo di no. Alors, je ne vais pas vous parler d'une expérience personnelle, même si je connais le lieu dont on va parler. Je suis là pour, en l'absence de... d'un représentant du site, d'une représentante du site, qui m'a confié le PowerPoint qu'elle a créé avec ses collègues pour cette expérience de Lamba do Pinheiro. Je vais vous expliquer rapidement en français, à partir du portugais et pour l'italien. Ecco, non si tratta di un'esperienza personale, ma è qui in sostituzione della rappresentante che ha preparato la documentazione su questo sito di Lamba do Pinheiro, e sulla base di questo documento che in portoghese farà delle riflessioni in francese che poi verranno tradotte in italiano. Alors, je dois d'abord vous présenter le site. Je vais faire appel à vos connaissances en géographie. Nous sommes au Brésil, donc c'est un pays très grand. Nous sommes dans l'état le plus au sud du Brésil, à la frontière de l'Uruguay et de l'Argentine. Il s'appelle le Rio Grande do Sul, le Rio Grande du Sud, qui est l'état donc le plus au sud, mais aussi un état à la fois très agricole et très industriel, et un état historiquement dynamique. Et, dal punto di vista della geografia, parliamo di un sito che si trova in Brasile, una nazione grandissima. Il sito è nel sud del paese, nella zona che confina con l'Uruguay e l'Argentina, zona che si chiama Rio Grande del Sud. È una zona agricola industriale che storicamente è stata molto dinamica. Alors, la capitale du Rio Grande do Sul, qui est, je crois, la quatrième ou la cinquième ville du Brésil, s'appelle Porto Alegre. Et vous avez certainement entendu parler du Forum social mondial de Porto Alegre. Porto Alegre est une ville de environ 1 300 000 habitants. 1 500 000, dans une agglomération métropolitaine de 3 millions d'habitants. Et la capitale di questa regione, che è la quarta o quinta città più grande del Brasile, è la città di Porto Alegre, un nome che sicuramente richiama il Forum Sociale Mondiale che si è tenuto in questa città, è una città di... c'è un insediamento di 1.500.000 persone circa su un insieme di 3 milioni in tutto di persone. Bon, Porto Alegre è connu a cause du Forum Social Mondial, mais il est aussi connu par une initiative politique très importante qui date de la fin des années 1980 par l'arrivée au pouvoir à Porto Alegre du Parti des Travailleurs, qui avait promis et a réalisé de faire ce qui s'appelle le budget participatif de Porto Alegre. E la città è anche conosciuta per un altro fatto politico avvenuto alla fine degli anni Ottanta, quando è salito al potere il Partito dei Lavoratori, che ha promesso e poi realizzato questo progetto chiamato bilancio partecipativo. Alors, le budget participatif plus le congrès de la ville, qui est une session tous les trois ans de planification
participative de la des politiques d'investissement de la ville. C'est important pour la suite parce que Porto Alegre est la ville et sa banlieue sont les villes du Brésil qui ont les premières véritablement introduit dans la politique municipale la notion et l'action de d'amener les habitants et d'apprendre aux habitants à participer en citoyens aux décisions politiques. E oltre a questo bilancio partecipativo c'è anche questo fatto del congresso cittadino, di questa sessione di pianificazione partecipativa per quanto riguarda gli investimenti che sono necessari per questa città di Porto Alegre. È un concetto importante perché dobbiamo pensare a una città, una regione tra le prime ad introdurre questa idea della partecipazione attiva della popolazione alle decisioni che riguardano la comunità. Come tutte le ville importanti, come tutte le grandi metropoli brésiliennes, Porto Alegre ha connu depuis 40 ou 50 ans, l'arrivée, ce qu'on appelle en portugais l'invasion, c'est-à-dire a connu l'arrivée de populations venues des régions les plus pauvres du nord-est du Brésil, qui sont venues s'installer de façon sauvage, de façon non légale, sur des terrains disponibles. Come molte città grandi del Brasile, Porto Alegre ha assistito negli ultimi 40-50 anni a un fenomeno, a un certo fenomeno, quello dell'arrivo, che in portoghese si chiama testualmente invasione, di popolazioni arrivate dalle regioni del nord-est povere del Brasile e che si sono insediate in queste città su terreni liberi, ma creando degli insediamenti non legali. Ces populations arrivant de tout le reste du Brésil, ces populations ont, que ce soit à Rio de Janeiro, à São Paulo ou à Porto Alegre, ont créé des villes, des espèces de villes nouvelles. C'est très intéressant de voir que ce sont des germes de villes qui naissent par des personnes qui viennent s'installer sur un terrain vide et progressivement, en 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, une ville se crée. Ce n'est pas du bidonville, ce ne sont pas des habitations temporaires, cela devient de plus en plus un quartier de ville comme ce que nous connaissons dans les quartiers de ville en Europe. C'est un quartier pauvre, même quelquefois très pauvre, c'est le cas qu'on va voir, mais ce n'est pas un campement, ce n'est pas un bidonville, etc. Queste popolazioni arrivate da tutto il Brasile, nelle grandi città, e parliamo di Rio de Janeiro, San Paolo, oltre che Porto Alegre, hanno quindi dato origine a delle città nuove. Si sono creati dei nuclei su terreni che erano comunque vuoti e sono nate queste città nuove che noi non dobbiamo immaginare come degli accampamenti o come delle bidonville, ma quindi come insediamenti temporanei, ma come quartieri veri e propri, molto poveri, come sarà il caso di quello che vedremo, ma comunque non bidonville e non accampamenti. Un dernier élément important pour la suite, dans ces quartiers, au Brésil en général, et là à Porto Alegre, se sont créées des associations de résidents, des associations d'habitants, qui sont une tradition au Brésil, et qui ont été
extrêmement importantes, ces associations, d'abord pour la résistance à la dictature militaire des années 60, 70, 80, et d'autre part pour l'accompagnement de la politique de participation de la municipalité après la fin des années 80. E in questi quartieri del Brasile si assiste alla nascita di associazioni di residenti, di abitanti, questa è una tradizione tipica del Brasile e queste associazioni sono state molto importanti in passato se pensiamo al periodo della dittatura militare negli anni 60, 70, 80 per resistere a questa dittatura e naturalmente hanno avuto un ruolo importante nell'accompagnamento di questa politica di partecipazione della popolazione alle decisioni dopo il periodo appunto di questi anni 70-80. Bien, comme l'écomusée de Gémonez a eu la bonne idée de mettre la traduction des phrases qui sont sur l'image en italien, je pense que ce n'est pas la peine de lire cela en français pour le refaire traduire. Vous pouvez lire ce qui est marqué à l'écran. Simplement, je préciserai que nous avons là une équipe, vous allez voir plus tard la composition de l'équipe, une équipe d'animation du musée communautaire. On ne l'appelle pas écomusée, ils s'appellent eux-mêmes musée communautaire du quartier Lomba do Pinheiro. C'est une équipe qui est une équipe d'habitants, une équipe de personnes là, qui est menée en grande partie par une animatrice remarquable qui s'appelle Claudia Feijó, qui m'a envoyé ce document, ce PowerPoint, qui elle-même est née dans le quartier, c'est un enfant du quartier, qui a fait toutes ses études universitaires, notamment en histoire, jusqu'à ce qu'on appelle en français master, et qui prépare un doctorat. Mais elle est enseignante pour l'État de Rio Grande do Sul. Avete quindi sullo schermo la traduzione che è stata predisposta dall'Ecomuseo di Gemona, quindi sotto il portoghese trovate l'italiano, inutile elencare queste voci. Va segnalato che il museo della zona del Brasile di cui stiamo parlando non è chiamato ecomuseo ma museo comunitario e questo museo è animato da una squadra condotta, una squadra degli abitanti stessi condotta sotto la guida di Claudia Peggio che è un'animatrice nata nel quartiere quindi originaria di questo quartiere che ha fatto studi universitari fino ad ottenere un master e che è un insegnante di storia. Donc vous avez là la séquence des différentes phases du travail qui est maintenant terminée, c'est-à-dire je vous parle de quelque chose qui existe depuis maintenant à peu près un an et demi, deux ans, pour un quartier, je ne l'ai pas encore dit, un quartier qui, disons, c'est difficile de donner des chiffres exacts, mais qui en gros, fait à peu près 100 à 150 000 habitants pour une superficie qui doit être au moins de 50 km carrés. C'est à peu près la dimension du quartier. E vedete quindi la sequenza del lavoro, che è un lavoro che è stato concluso già circa un anno e mezzo fa, due anni fa. E questo lavoro riguarda questo quartiere che ha circa, è difficile dare numeri precisi, che conta circa 150.000 abitanti e questo per un'estensione, un territorio che si estende su circa 50 km quadrati. Je reviens.
C'est une chose intéressante, c'est que, et ça c'est assez caractéristique du Brésil, de ce genre de musée, de ce genre de projet au Brésil, on attache énormément d'importance à ce que les Brésiliens appellent la capacitation, c'est-à-dire le fait de prendre des gens qui ne sont pas habitués à avoir les connaissances, les capacités de s'exprimer, les capacités de décider, etc. Des personnes plus éduquées. Nous sommes dans des populations, à part Claudia Feijó et un certain nombre d'autres personnes, sont des populations qui sont sous-éduquées et qui viennent de, souvent sont des primo-immigrants qui sont arrivés récemment et qui sont extrêmement pauvres, qui n'ont pas eu toujours accès à l'école, etc. Donc la capacitation, le fait de faire une formation qui n'est pas une formation théorique, qui n'est pas une formation à la lecture et l'écriture, qui est une formation à l'action autonome. C'est ce que l'équivalent à peu près de ce que les Anglais appellent empowerment. In Brasile e nei musei del Brasile, in questo tipo di musei, si dà una grande importanza a un concetto che viene chiamato capacitazione, per tradurre letteralmente. Si tratta, visto che si ha a che fare con gente che non è abituata ad avere certe capacità come quella di, ad esempio, di sapersi esprimere bene, visto che si tratta di gente spesso con poco niente come istruzione, visto che si tratta di un'ondata di immigrazione, di prima immigrazione, di gente molto povera che molto spesso non ha avuto accesso alla scuola e all'istruzione, si cerca di aiutarli con una formazione che non è una formazione teorica e che quindi non mira tanto ad insegnare a leggere e a scrivere, ma piuttosto ad insegnarli a come agire e quindi un insegnamento che riguarda l'azione e che è espressa in inglese con la parola empowerment. Bon, là vous avez, je vais vous laisser lire, mais les projets d'action qui sont en cours de réalisation, ce PowerPoint date d'il y a un an, donc ces actions sont commencées. Et vous verrez, vous voyez à la fin que ce musée communautaire est en train de se doter d'un système de gestion 4 ou 5 ans après s'être créé. C'est-à-dire qu'il s'est créé de façon spontanée, informelle, et il est devenu de plus en plus organisé et formel, et se dote cette année, en gros, d'un système. Je ne sais pas quelle sera la forme sur le plan juridique. Qui vedremo dei progetti d'azione che sono già iniziati e un sistema ed è in atto la creazione e l'adozione di un sistema di gestione e questo 4-5 anni dopo che è stato in realtà creato il museo comunitario. Bisogna vedere che forma avrà questo sistema di gestione. Bon, quelques images pour voir un peu le cadre, l'ambiance du travail. Là encore, vous avez les légendes qui sont en italien. J'insiste sur le fait qu'on est là, c'est des gens qui travaillent entre eux, même s'il y a une relation très étroite avec l'université. L'une des universités, qui est l'université fédérale de Porto Alegre, est très liée par un système brésilien très utile pour les musées et les écomusées, qui est un système d'extension universitaire où des étudiants de l'université en cours d'études sont détachés
à temps partiel et rémunéré pour aller travailler sur des projets, par exemple des projets d'écomusée. Souvent, et généralement, ce sont des étudiants qui sont originaires du territoire et qui reviennent travailler pour leur territoire dans les domaines qui sont leur domaine d'études à l'université. E qui vedete delle immagini che fanno vedere questo lavoro, l'atmosfera in cui lavorano queste persone assieme. C'è un aspetto particolare di cooperazione in Brasile con le università. Infatti esiste questo sistema brasiliano molto utile per quanto riguarda gli ecomusei del Brasile, e cioè il fatto che studenti universitari vengono inviati quasi come in sedi universitarie staccate, vengono inviati dalle università nei luoghi che sono quelli da cui sono originari, e vi riportano le professioni, le capacità, le nozioni che hanno imparato per trasmetterli a queste popolazioni locali. Ici vous avez d'autres scènes. Alors, j'insiste, la photo en haut à gauche, c'est une technique, une méthode qui est totale classique au Brésil et pas seulement pour les musées, mais qui s'appelle roda de conversa. C'est une roue de parole, de prise de parole. On met des habitants qui se présentent spontanément, on les met autour d'une pièce. La pièce est au centre, est vide, il n'y a pas de table, on les met sur des chaises, tout simplement, autour de la salle, et on leur pose une question, et on les fait parler chacun à son tour. C'est la première façon dont on aborde un projet. On commence toujours par ce système. On a une idée, on a une question à poser, on veut la participation des gens. On les met autour d'une pièce, on en met autour d'une pièce 10, 20, 30, 50, dépend de la taille de la pièce, et ils parlent. Et ça, il n'y a pas besoin d'animation, il n'y a pas besoin de système de mobilisation. Les Brésiliens sont comme ça, ils parlent. Et ils répondent à la question à leur façon, selon leur mémoire, selon leurs problèmes. C'est la première étape d'une participation. Allora, in alto a sinistra vedete una fotografia che fa vedere un metodo molto usato in Brasile che si chiama la ruota della parola, ruota di conversazione, cioè si mettono delle persone sedute su delle sedie in giro in una stanza, in base alla dimensione della stanza possono essere 10, 20 o 50 persone, non c'è niente al centro della stanza, e a ognuno viene chiesto di prendere la parola, si fa una domanda alla quale devono rispondere. E questo è proprio il primo passo di qualsiasi inizio di progetto. I brasiliani adottano questo sistema di partecipazione perché i brasiliani rispondono volentieri quando viene posta una domanda, quindi prenderanno la parola facilmente. Donc vous voyez là sur cette liste un peu statistique du déroulement vraiment réel du processus d'inventaire, c'est extrêmement complexe. Cette ville nouvelle, ce quartier de Lomba do Pinheiro est vraiment très compliqué. Il y a même deux communautés indigènes différentes par l'origine, par la langue, etc. Et il y a donc, vous voyez, ces 24 villas, c'est pas des villas au sens italien. Et les villas, c'est difficile à exprimer. Ce sont des, si on peut dire, des sous-quartiers, des quartiers dans le quartier. Chacun possède son nom. Chaque villa possède son nom et possède, disons, un sentiment spontané
de son identité. C'est un phénomène assez classique dans ces quartiers nouveaux où souvent les gens se sont regroupés par origine géographique ou origine ethnique. Qui avete un elenco statistico che fa vedere il processo dell'inventario. E dobbiamo tenere conto del fatto che queste città nuove sono degli insediamenti molto complessi. Nel caso particolare, per esempio, ci sono indigeni di varie origini, quindi con delle differenze anche a livello di lingua. Nell'ordinamento delle città in Brasile esistono delle suddivisioni che si chiamano villas e che non sono come si intende in italiano la parola villa, ma in questo caso si tratta di una specie di quartiere all'interno di un quartiere. E, ognuno ha il suo nome e questo elemento di quartiere rappresenta un luogo dove si sono raggruppate magari delle persone con la stessa provenienza di origine geograficamente e quindi dove esiste un certo senso di identità. Alors, souvenez-vous simplement du chiffre des 24 villas et des deux communautés indigènes, on va les retrouver. Tenete a mente il discorso di queste 24 villas e delle due comunità indigene diverse. Bon, le contenu de l'inventaire, ça s'explique tout seul, pas de problème de ce côté-là. Là, elle a indiqué un certain nombre de difficultés qu'elle a rencontrées ou que le groupe d'animation a rencontré dans le travail. Toujours naturellement les problèmes de participation. Sulle slide potete vedere prima c'era l'inventario, qui vedete una serie di problemi elencati. Et bon, les autres questions vous les avez là. Bon, on peut. Quindi guardando sullo schermo riuscite a. On pourrait parler longtemps, mais ça on a déjà vu ça au début du. Alors. Riuscite a vedere e ne abbiamo già toccato certi aspetti, quindi andiamo avanti. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont procédé en même temps, villa par villa, c'est-à-dire sous-quartier par sous-quartier, en travaillant avec les habitants de chaque sous-quartier, mais en même temps, ils réintégraient les observations, les propositions pour l'inventaire de chaque sous-quartier dans une carte générale dont vous avez là le tout premier élément vous allez voir ensuite la carte se construire au fur et à mesure que les quartiers vont apporter des éléments de plus en plus précis pour leur inventaire. Come si è proceduto? Praticamente il metodo consisteva nell'andare in una di queste parti di quartieri, villa dopo villa, e però reintegrando le osservazioni che venivano recuperate in ogni parte del quartiere, reintegrando queste osservazioni e queste proposte per l'inventario per aggrupparle in una mappa generale di cui vedete il primo elemento per passare poi a una costruzione graduale man mano che si ottenevano informazioni più precise su ogni villa. Donc là vous avez, alors c'est assez caractéristique, vous avez les 6 premiers éléments de la carte, 6 premiers éléments de l'inventaire plutôt que la carte, mais qui sont sur la carte. Et vous voyez que la diversité des éléments, le pin, la rocaria, les figuiers, le babouin roux. Là, j'admire que moi j'ai eu du mal à trouver l'équivalent du mot portugais
en français, le babouarou, qui est le singe familier que l'on trouve partout, qui accompagne la population. Qui vedete i sei primi elementi dell'inventario sulla mappa, la diversità di questi elementi che sono poi stati tradotti, quindi riuscite a distinguerli. Le babuino si soffermava rosso. Su questo babuino rosso, che è una scimmia che per gli abitanti della zona è perfettamente normale, perché si costeggia sempre questo animale. Mais vous trouvez aussi, alors les sources, ça c'est assez naturel, parce que l'eau est importante, mais vous trouvez les arrêts de bus. Naturalmente trovate le fonti, perché l'acqua è una risorsa importante, però anche le fermate dell'autobus. Et pourquoi les arrêts de bus? C'est parce qu'il n'y a pas d'adresse dans le quartier. Et le fermate dell'autobus sono importanti, è un quartiere dove non esistono gli indirizzi. Il y a des grandes rues évidemment, mais il n'y a pas de numéros, de trucs comme ça. Donc les gens se repèrent géographiquement par le numéro d'arrêt de bus. Visto che ci sono delle strade dove non ci sono numeri, le fermate dell'autobus diventano dei punti di riferimento per capire dove andare, dove sta qualcuno. Et puis naturellement les villas, dont ces sous-quartiers où chacun se reconnaît d'appartenant à ce à sa villa. E poi naturalmente vengono elencate queste villas, perché sono le parti del quartiere con le quali ognuno si identifica molto strettamente. Alors là vous avez une série des différents états de la cartographie qui découle de l'inventaire. Vous avez toujours plus d'éléments qui arrivent e qui vedete l'evoluzione della mappa man mano che vengono inseriti elementi sempre più precisi. Jusqu'à la structure 7, jusqu'à le dernier état de la carte, l'état définitif. Fino al livello 7, che è lo stato definitivo della mappa. Pour lequel tout un travail a été fait pour trouver de façon participative un titre pour cette carte finale. Et lì c'è stato addirittura un lavoro partecipativo per trovare un titolo per questa mappa finale. Voilà donc la structure finale qui s'appelle l'Omba do Pinheiro, patrimoine inventorié et itinéraire culturel. E il titolo definitivo che è stato dato a questo sito è quello di mappa inventoriata e itinerari culturali. E ça vous avez là le verso, le recto de la carte elle-même, et au verso vous avez des petites descriptions qui identifient de façon participative, c'est-à-dire accepté, adopté par les habitants, chaque villa et les deux communautés indigènes. Avete visto la mappa? E questo è il retro della mappa, dove ci sono queste caselline con delle descrizioni identificative, sempre basate sulla partecipazione degli abitanti, compresi quei due gruppi di indigeni. Bon, ça c'est la fiche technique du travail. Vous avez la liste à droite, vous avez la liste des personnes qui ont effectivement participé au travail de l'inventaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup plus de gens qui ont participé à l'intérieur des villages dans le travail quotidien, mais ça c'est le principal groupe déjà important de personnes qui ont qui sont entrés dans la responsabilité de l'inventaire. Poi avete la scheda tecnica e in parte avete un elenco delle persone che sono state coinvolte nell'inventario. Naturalmente non parliamo di tutte le persone che hanno partecipato, saranno state molto più numerose, ma sono quelli che i principali responsabili menzionati nell'elenco. Et à partir de cela, il y a eu la carte avec le recto et le verso, et ensuite une exposition qui est une exposition, on va voir une photo, qui est une exposition de panneaux où chaque villa et les deux communautés indigènes sont individualisées
dans des panneaux avec un texte qui est le texte du verso de la carte et des photos toujours choisies avec les habitants de la villa. Donc là, vous avez toute une série, vous avez toutes les 24 villas et les deux communautés indigènes qui se retrouvent dans l'exposition. Voilà, les deux communautés indigènes sont ici. In seguito è stata fatta una mostra di pannelli che così vengono di questi 24 pannelli corrispondenti alle 24 villa studiate e più due per ognuna delle due comunità indigene dove vengono riportati tutti i dati identificativi di ogni villa o comunità. Voilà, alors l'exposition, donc on a la carte, maintenant l'exposition, vous avez là en haut à droite, vous avez l'espèce de structure provisoire qui a été installée pour mettre l'exposition, c'est en plein air tout ça. Ils ont, le musée communautaire Lombardo-Pinheiro a une tradition de musée de rue, c'est-à-dire une tradition d'exposition construite sur des thèmes ou sur des quartiers, des sous-quartiers, des villas, avec les habitants, et qui sont mis sur des panneaux et qui circulent de quartier en quartier. Et donc là, c'est un peu l'équivalent. On a rassemblé là, pour tout le quartier, des panneaux et on les met à la disposition des gens. E quindi dopo l'elaborazione della mappa si è passata a questa mostra e qui vedete le foto con la struttura provvisoria usata per la mostra, perché è una mostra all'aria aperta. Del resto bisogna tenere presente che anche come tradizione per questo museo comunitario di Lombardo-Pinheiro le mostre sono spesso delle mostre anche itineranti, quindi dei pannelli che si possono portare da una villa all'altra e nelle varie parti del quartiere. Bon, là vous avez une des séances de présentation de l'exposition. Alors, pour terminer, simplement, vous avez vu qu'il y avait la carte, qu'il y avait l'exposition, et le troisième élément, naturellement, c'est l'archive, la documentation, c'est-à-dire tout le rassemblement, notamment multimédia, c'est-à-dire notamment visuel, vidéo, etc., enregistrement, qui a été rassemblé à cette occasion, qui constitue le cœur du musée communautaire. Ecco, quindi abbiamo visto la mappa, abbiamo visto la mostra, ma dobbiamo tenere presente che c'è anche tutta la parte che riguarda l'archivio, tutta la documentazione, il materiale raccolto sia come video che come audio, si trova praticamente a costituire il nucleo della collezione del Museo Comunitario di Lombardo-Pinheiro. Il y a un texte de 4 ou 5 pages qui a été écrit par Claudia Feijó et ses collègues en portugais, qui est qui donne des détails un peu plus importants et un peu plus théorisés sur cet inventaire participatif. Il est actuellement en portugais sur le blog de cette réunion ces jours-ci, le blog de créé par l'écomusée de Léacque, et il va être traduit, il est prévu de le traduire, donc on le trouvera sur le blog ou sur le site de l'écomusée d'ici, bientôt. Donc vous pourrez retrouver un texte en italien plus détaillé sur ce projet.
È stato voilà. Scritto un testo di 4-5 pagine da Claudia Pejo con i suoi collaboratori che contiene più dettagli, che contiene dei dettagli più importanti e anche teorizzati relativi a questa mappa e a questa mostra, a questa iniziativa in generale. Questo documento si trova sul blog che è stato creato per il seminario di oggi dal Consorzio delle Acque. Per adesso è in portoghese, però è prevista la traduzione, quindi tra qualche tempo potrete trovare questo testo tradotto sul blog o sul sito. Grazie a Hugues de Varin per questa approfondita e interessante esperienza che forse ha qualche difficoltà a essere trasposta, diciamo, nei nostri paesi.